Vous avez prévu de déménager ? Un déménagement nécessite de remplir de nombreuses formalités. Avant toute chose, si vous êtes locataire, prévenez le propriétaire de votre départ par courrier recommandé avec accusé de réception. Si vous êtes propriétaire et que vous vendez, demandez au syndic de copropriété un arrêté de compte de charge. Ensuite, selon votre situation, vous aurez à effectuer des résiliations de contrat, entre autres pour votre électricité et le gaz auprès de votre fournisseur d'énergie, votre ligne téléphonique fixe et votre box internet en appelant directement votre opérateur, votre assurance habitation, envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception à votre assureur. Plusieurs transferts administratifs sont à faire. Par exemple, communiquez votre nouvelle adresse à votre caisse primaire d'assurance maladie, CPAM, pour l'assurance maladie, à votre centre des impôts pour vos impôts sur le revenu, taxes d'habitation et foncières, à votre préfecture ou au commissariat pour la carte grise de votre véhicule. Déclarez facilement votre changement d'adresse sur le site officiel du service public. Il est aussi important de faire un changement d'adresse à la poste. Si votre courrier est toujours expédié à votre ancienne adresse, il sera automatiquement réexpédié à la nouvelle. Ce service est payant et dure 6 mois ou 1 an selon la formule choisie. Nos conseils pour éviter tout problème, conservez tous vos documents relatifs à votre habitation pendant quelques temps. Prenez le temps de remplir toutes ces formalités en utilisant un congé déménagement. Changez vos coordonnées au plus tôt 3 mois avant le déménagement ou au plus tard 3 mois après. Déménager exige une bonne préparation et demande de remplir de nombreuses formalités. Pour en savoir plus sur les formalités lors d'un déménagement, retrouvez toutes les infos sur oreca.fr.